Tu es un grand garçon maintenant. Chez nous à la maison, c'est moi le grand garçon. J'aime ça toucher à tout, je m'appelle Caillou. Autour de moi c'est tellement beau, tous les jours y a du nouveau. Je trouve des amis partout, je m'appelle Caillou. J'ai du plaisir, je n'ai peur de rien, car papa et maman ne sont jamais bien loin. Même si je suis grand, je pleure de temps en temps, ça ne dure jamais longtemps. Je m'appelle Caillou, Caillou c'est moi. Je m'appelle Caillou, Caillou c'est moi. Voilà. Venez les enfants, j'ai le temps de vous lire une histoire. Cette histoire s'est passée quand Caillou avait 3 ans. L'histoire d'aujourd'hui s'intitule « Caillou prend son bain ». Caillou, il est l'heure de prendre ton bain. Attention Caillou, je ne rigole pas, c'est la dernière fois que je t'appelle. Caillou ne voulait pas prendre son bain. Où est-il passé? Je me demande bien où il peut être. Mais où peut bien être Caillou? Aha! Te voilà. Allons, viens Caillou, tu dois prendre ton bain. Non, non, je ne veux pas prendre de bain. Oh. Mais maintenant c'est trop froid, maman. Oh. Ouf. Dites-moi, jeune homme, où est-ce que vous allez comme ça? Je vais jouer dans ma chambre. Tu pourras jouer plus tard. D'abord, tu dois te laver. Oh, non, je ne veux pas me laver. Oh. C'est pas drôle. Si on mettait de la mousse pour le bain? Ah, ça c'est une bonne idée. Tu vas avoir plein de bulles, Caillou. Donne-moi ta main. Voilà, tu vois comme c'est amusant. Tout à coup, Caillou pensa à son petit canard jaune qu'il avait laissé dans la chambre de mousseline. Oh non, c'est pas vrai. Caillou, je vais me fâcher. Tiens, essaie d'en faire d'autres. Caillou avait découvert que prendre son bain pouvait être très amusant. Et il avait aussi appris à faire des bulles. Regardez-moi, je fais des bulles, je fais plein de bulles. Hé, mais où est Caillou? Je suis là, c'est moi. Où est mon canard? J'arrive, quoi, je vais te sauver. Maman, qu'est-ce qu'il y a? Vous êtes tout mouillé. Caillou avait découvert qu'il avait bien aspergé papa et maman. Il est temps de sortir maintenant, Caillou. Je ne veux pas sortir, je veux jouer dans mon bain. Écoute, je te promets que tu pourras prendre un autre bain demain. D'accord, moi et Quoi, tous les deux, on fera plein de bulles. Et voilà comment Caillou a appris à aimer l'heure du bain.